pas encore, mais vous croyez quand même en Dieu. Hein? Ok. D'accord. Bon, maintenant, regardez. Je vais prier pour votre enfant. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est votre premier enfant. Hein? Je ne sais pas. Mais avant l'enfant, si. Avant l'enfant, si. Il y a eu la perte d'un enfant. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Avant celui-ci, il y a un enfant. Et l'enfant, si j'ai vu comme un garçon. J'ai vu comme, avant celui-ci, j'ai vu comme un garçon. Mais qui vous a été volé? Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce que je dis. Vous avez connaissance? Parle à haute voix. Oui, pardon. Vous avez connaissance? Oui. Acclamez Jésus. L'éternel est notre Dieu. L'éternel est notre Dieu. Vous êtes mariés? Non. N'êtes pas marié. Laissez qu'il y va. Écoutez. Vous voulez venir? Non, ça va, l'enfant, gardez-le là-bas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Je veux parler avec la mère. Et la mère, il y a un contact parce qu'il y a le cordon. Cordon ombilical. Hein? Donc, si elle parle à la mère, gardez l'enfant, ne le ramenez pas ici, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, j'ai dit avant cet enfant, vous savez, il y a un enfant qui est parti. Donc, j'ai vu un enfant parti, et c'est un garçon. Hein? Mais est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il est question? C'était un... Parlez pas, te voici, mon père. Grossesse extra-utérine. C'était quoi? Une grossesse extra-utérine. Vous avez perdu l'enfant ou pas? Oui. Vous l'avez perdu? Oui. On se connaît? Non. On a posé un jour? Non, on s'est vu un jour? Jamais. On a parlé de ça quelque part? Jamais. J'ai fait comment pour savoir? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Acclamez-moi, Jésus. Je ne sais pas. Nous sommes des prophètes. Amen. Mais comment vous pouvez imaginer? C'est pour ça que je vous ai dit, invitez les gens. Les gens ont les problèmes là dehors. Amen. Je vous dis la vérité, évangélisez. Amen. Dites aux gens que Jésus-Christ est réel. Amen. Et qu'il y a un prophète que Dieu a établi en France. Amen. Un prophète de la nouvelle génération. Amen. Et qui dit des choses exactes. Selon comme il entend dans l'esprit. Amen. Lorsque j'ai vu cette femme, regardez cette femme comme elle est toute belle. Alléluia. Amen. Mais je l'ai vu perdre un enfant. Et l'enfant que j'ai vu partir ici, l'esprit de Dieu, lorsque j'observais celui-ci, c'est une fille ou c'est un garçon? Lorsque je l'observais, hein, l'esprit de Dieu m'a dit que le premier qui est parti, c'était pas normal. Et j'ai vu le problème, je ne vais même pas donner les raisons parce que ça mène souvent les problèmes. Hein? Mais je ne veux pas dire qui a fait ça. Mais j'ai vu le problème. Hein? Et j'ai vu que c'était un problème mystique. Écoutez-moi bien. Dans la grossesse, ça vous appelez ça comment? Extrait. Donc, le premier enfant que vous avez perdu, on peut se tutoyer, non? Ok. Le premier enfant que tu as perdu, j'ai vu ça venir d'un problème, j'ai vu ça comme mystique. Donc, ce n'était pas quelque chose de normal, mais c'est quelque chose qui avait été fait dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu as perdu ce premier enfant. Et maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit que les sorciers qui ont réussi à le faire, hein, les mêmes gens sont en train de venir sur celui-ci. Écoutez-moi bien, parce que dans l'esprit, j'ai entendu comme on dit de vous, que ben, elle croit qu'elle va s'en sortir. Hein? J'ai entendu ça dans l'esprit. Une voix qui a dit, elle croit qu'elle va s'en sortir. Et la voix que j'ai entendue, c'est la voix d'une vieille personne. Hein? Ne pleurez pas, calmez-vous. Écoutez-moi. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut. Amen. Nous, on est dans la joie parce que Amen. Dieu nous a au moins se révélé ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a révélé ça. Amen. Rapprochez comme ça, venez comme ça. Alléluia. Ok. Maintenant, regardez. Elle est venue à l'église pour la première fois. Et regardez comment Dieu a localisé son problème. Amen. Et regardez comment Dieu va la restaurer. Amen. S'il vous plaît, évangélisez. Amen. Ramenez les gens dans la maison de Dieu. Amen. Dites aux gens que Dieu intervient et Dieu parle. Amen. Donc regardez maintenant, madame, hein, votre problème, hein, la première grossesse perdue, c'est ce que j'ai dit. Et vous avez confirmé la prophétie. Hein, et j'ai dit, c'est un problème mystique. Hein, et j'ai vu ça venir également sur ce deuxième. Alléluia. J'ai vu ça venir sur le deuxième. Et lorsque je vois ça venir sur le deuxième, j'entends une voix comme d'une vieille personne qui dit, elle croit qu'elle a réussi, elle croit qu'elle a gagné, elle croit qu'elle va s'en sortir, un truc comme ça. Hein? Et maintenant, Dieu m'a dit de prier pour vous et de prier pour votre bébé. Hein? Donc, comme je vais prier pour le bébé,
Le décret qui a été fait ici contre votre bébé est annulé au nom de Jésus. Amen. Le décret est annulé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour vous. Hein? Je vais prier également pour l'enfant. Au nom de Jésus. Donnez-moi la main. Attendez. Là, c'est Kayava. L'Ekoïva là. Donnez-moi la main. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Caressez pas ma main. Pourquoi vous me faites comme ça? Au nom de Jésus-Christ. Donnez seulement la main. Ne faites pas comme ça. Oh. Alléluia. Plus maman patience est là-haut. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, on dit, le danger de la femme, c'est la femme. Mais si tu vois une femme qui voit femme et qui n'a pas payé un problème, c'est que c'est femme, femme courageuse. Je vais prier pour vous, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que ce décret soit annulé par la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que cet enfant vive. Au nom de Jésus. Que la paix et la protection de Dieu descendent sur son enfant maintenant. Et que son enfant soit secouru par la présence de Dieu. Nous annulons toute mauvaise parole qui ont été prononcées contre son enfant. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, l'enfant vivra. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai comme jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ai restauré. Amen. Dieu, je ne veux pas que l'enfant vive. Je vais aller là-bas. Dieu, viens avec l'enfant ici. Là. Viens avec l'enfant. Poussez le caddie. Vous appelez ça quoi? La poussette. Alléluia. Poussez la poussette ici. On va. Non, c'est bon. Alléluia. Ouais, ouais, vas-y, maman. On va mettre l'enfant. L'enfant, combien de mois? Au nom de Jésus. Seigneur, merci de protéger cet enfant, de le garder par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Enfant, ainsi a parlé l'Éternel. Tu vivras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, il est tout mignon. Il te ressemble. Hein? Amen. Il n'a rien pris. Le père dormait. Il n'a rien pris du père. Vous voyez, l'enfant, c'est tout elle. Tu es béni. Dieu t'a restauré. Sois en paix. Tout est fini. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Hein? Amen. Amen. Oh. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il n'est pas bon notre Dieu bien-aimé. Lève-toi, alors tu acclames Jésus. Lève-toi. Lève-toi, tu acclames bien Jésus. Lève-toi, tu acclames bien Jésus. Lève-toi, tu acclames bien le Père. De tout notre cœur. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'élévons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons. Clame Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci parce que tu nous sauves. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.